Lundi, le poignet. Mardi, le bras. Tu bagues pas, Suchi, c'est très bien. Je me demande comment on peut aimer vivre à Paris. Il y en a qui adorent ça, qui adorent cette liberté du fait de pouvoir accéder à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment et juste à pied. Il y en a qui adorent cette liberté-là. Il y en a d'autres qui préfèrent être dans un petit village paumé où ils ont à chaque fois besoin d'un moindre truc et doivent prendre la caisse, tu vois. Tu sais, c'est une forme de vie différente, hein. De toute façon, soit tu décides de vivre à pied toute ta vie, donc tu vis à Paris et t'es à pied toute ta vie, et franchement, c'est une vie qui est... Bah, c'est une Ah vie bah qui voilà, paraît et c'est voilà, totalement voilà, il y a un intéressante. démon quoi. Ça paraît super cool d'avoir tout à proximité à pattes. C'est génial. Merci Luxi pour ton follow, c'est très gentil. Merci à toi Luxi, ça fait plaisir. C'est très très gentil Luxi, merci beaucoup. Tu vois, ce petit mouvement, c'est pour éviter de gâcher la palette. Il est pas extrême, il n'est pas exceptionnel, mais il est très sympa. Ok. Moi je vais tomber très vite hein, parce que contre les tueurs, je les amène trop sur les côtés et donc je tombe plus vite que les autres. Mais bon, je les amène sur les côtés quoi. Je comprends pas comment ça m'a touché, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, j'accepte. Est-ce que tu as un corbeau à disposition? J'ai pas l'impression. Est-ce que j'ai une palette à disposition? Non. Pas de palette. C'est dommage, hein. Vous avez vu quand même, j'avais une palette là-bas. Et pour retrouver une palette, il fallait que j'aille jusqu'à ici. Ou là, j'ai trois palettes. Ça a pas de sens quand même. Ah, c'est le jeu, hein, c'est pas grave. J'ai connu que ça avant d'aller voir Tom sur Paris, donc je comprends un peu, mais étant jeune, j'ai adoré le fait de pouvoir me déplacer à toute heure et n'importe quand grâce au métro. Dans ma campagne, je mets 1h30 à aller au lycée. Ouais, tu m'étonnes, pas cool, et en plus, tu as tout accès. Genre, moi, le McDo, 23h, à Cournon d'Auvergne, le McDo, à 23h, il est fermé. T'arrives à 22h52, le mec, il te refuse. Hein. T'arrives à 22h52, il te dit non. Donc, j'avoue que c'est quand même changeant. Paris, à 2 du mat, j'ai pris un Big Mac, tu vois. À 2 du mat, je suis allé au McDo. Donc, rien que ça, là-dessus, c'est cool. Je suis assez d'accord. Oh, j'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment de la chance. Je vais bientôt tomber, les amis, mais bon, je fais ce que je peux. Hein. Oh, j'ai de la chance. J'ai eu vraiment de la luck là aussi, hein, la vérité. Hein. Bon, on va tomber là-dessus. On aura déjà pas trop mal tenu, hein. J'ai connu pire, j'ai connu mieux, mais... La soif de sang fait que je suis mort. Hein? Elle m'a raté. Elle aurait dû me toucher avec la soif de sang. Bon, là, je suis foutu. Hein. Bien joué. Salut Flash, tu vas bien j'espère. C'est important d'aller bien mon ami. Une partie fun avec l'artiste. Et ouais Chriska, on va essayer. Bon pour l'instant elle veut que mon cul mais c'est pas grave, c'est le jeu. Il faut accepter. Coucou Sopalin, tu fais du Redem. Salut à toi mon petit Flash, j'espère que tu vas bien. Eh bien ce soir je ne ferai pas du Red Dead Redemption RP, mais je vais en refaire, t'inquiète pas. J'en refais mardi et jeudi. Je refais du Redem mardi et jeudi. Vous êtes plusieurs à me demander de refaire du Redem, hein. C'est gentil. Hein. Après, on n'était pas très nombreux sur le live de Redem, hein. C'est sûr qu'on n'était pas très nombreux et tout, mais vous étiez quand même... Enfin, vous étiez chaud, vous étiez présent, vous parliez dans le chat et vous aviez l'air de bien apprécier, donc ça donne envie de refaire, même si effectivement on n'était pas beaucoup, mais je referai mardi, vous inquiétez pas. En fait, je referai, je pense, de 13h à 15h. C'est-à-dire le matin, mardi et jeudi, je fais 9h-15h, donc de 9 à 13, DBD, et de 13 à 15, DBD, Redem RP. Et ensuite, le soir de 20h à 23h, je pense que je ferai du RP aussi. On veut du Redem à fond, en vrai. Ah bah, si vous avez tant kiffé que ça, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Salut Kiyoshi. J'espère que tu vas bien, mon petit Kiyoshi, mais je crois que tu t'es déjà salué. Je suis désolé si c'est le cas. Oh, il est sympa. Il m'a flashé pour que j'ai plus du corbeau. Vraiment gentil. Malheureusement, j'aime pas trop ce genre de jeu, donc j'ai pas envie de me forcer. T'as absolument raison, Manon Doritos. Tu n'as pas à te forcer dans quoi que ce soit dans la vie, y a pas de problème, t'inquiète. Je sais pas pourquoi je vais là alors que je sais qu'il y a plus rien, mais. En tout cas, ils sont sympas, mes mates, ils essaient de me sauver et tout, ils me protègent, c'est adorable. C'est vraiment gentil. Mais je sais pas pourquoi je suis venu de ce côté, y a vraiment rien du tout. Elle veut vraiment que moi. Ah non, c'est bon. Est-ce qu'elle va accepter d'accrocher? Non. Elle va rester full sur moi, je pense. Ça reste logique. Ça reste logique, elle veut que moi. Oh, j'étais bloqué là, je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi j'étais bloqué mais... Je vais me décaler un petit peu ici puis je vais voir ce que je peux faire. Je pense que là je vais tomber hein, là dessus. Ah bien joué. Ah bien joué là dessus. Et après j'ai ma palette à droite mais je sais pas si je peux m'en servir. Oh j'ai les collaborateurs qui m'enlèvent les corbeaux. Trop gentil. Ah ça me les a pas enlevés merde. Oh y'a Noed. T'as Noed Escape. Je crois qu'elle veut que moi pour me buter. Hein. Ouais. Elle me veut que moi. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ouais Red Dead c'est franchement trop bien. Faut que je me refasse la rediff aussi. Il faut que je fasse une vidéo mon ami, ce sera mieux que la rediffusion mais. Faut que j'en fasse une vidéo, je récupère les meilleurs moments. Et tu vois je mets sur Redem tu vois. Et je pense que je la... Je sais pas que... A mon avis, je mettrais la miniature, je mettrais la tête du mec, là, en miniature. Juste ça, c'est tout. Et après, je pense qu'en titre, je sais pas encore ce que je mettrais, mais... Le problème, c'est qu'il faut que je le fasse, ça va être tellement long. Et je veux le faire moi-même, parce que j'ai envie de demander à Tom, mais le problème, c'est que Tom, il va récupérer, je sais pas, 5% de ce que j'ai envie qu'il récupère. Ah ben voilà, il s'effole. Et il va récupérer voilà. 5% des trucs drôles, tu vois. Et moi, je sais que je vais récupérer tout ce qu'il y a de drôle, mais ça va me prendre l'après-midi entière, tu vois. Merci Chris K pour ton follow, c'est gentil. Après Tom, c'est un amour, heureusement qu'il est là pour me faire des vidéos de temps en temps, mais bon, à chaque fois, il... Moi, ce que je fais, j'ai la technique, c'est que je regarde en vitesse x2, comme ça, ça va deux fois plus vite, et je récupère les moments qui m'intéressent, et comme je le récupère en vitesse x2, ben, ça va beaucoup plus vite à regarder, quoi, tout simplement. Merci beaucoup Chris K, en tout cas, pour le follow. Salut, Hello Vicious, comment tu vas? Bien joué, bof, il y a eu du tunnel. Bon, c'est le jeu, tu sais, hein, j'ai l'habitude. Hein, combien de fois je me suis fait tunnel dans des BD? Des tas de fois, tu sais. Hein. Au final, c'est un 5-gen loop. Oui, elle va faire 4 kills quand même, c'est pas grave. Ah, peut-être pas 4 kills, mais 3 kills en tout cas. Voilà, c'est la vie, c'est son gameplay. Elle a décidé de jouer comme ça, c'est sa faute à elle, hein, c'est la faute de personne d'autre. Donc, je vais pas la blâmer, hein, tant pis. Hein, elle a un manque de performance. Elle est pas très très forte. On a pu constater que c'était pas la meilleure artiste qu'on a pu voir. Donc, elle compense ça en tunnelant. Et en tunnelant, elle s'acquiert des kills facilement. Même si elle a quand même galéré parce qu'elle a mis 5 générateurs avant de réussir à faire un kill. Mais voilà, c'est une méthode de gameplay, c'est pas très agréable à affronter, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Moi, tu sais, j'ai 9000 heures, elle en a peut-être 200, bah elle tue quand même celui qui a 9000 heures. Tu vas sur Call of Duty, le mec a 200 heures, et celui qui a 9000, bah celui qui a 9000, il va se faire tuer deux fois contre le mec à 200 heures, et il va l'avoir tué 25 fois. Voilà, c'est comme ça. Et encore, je dis deux fois, je suis gentil. Et que cette semaine tu fais 9h-15h. Non, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer, Jazzeri, de faire ça longtemps. Mais tu sais, c'est pas facile. En plus, je suis malade en ce moment. Donc, faut que je sois motivé. Puis à 13h, il faut quand même que j'aille chier. Salut Ragnar, comment tu vas? Salut Lucas Cool. Je mettrai de la musique, t'inquiète. Donc là, ouais, ça peut faire une vidéo YouTube parce que j'ai la 5 Genoop. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder les spectateurs. Mais je pense qu'ils sont tous morts. Ah, y'a que Nesca qui meurt. Y'a que Nesca qui meurt, je crois. Sauf si les deux autres sont morts parce que j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient escape. 2 kills, 2 escapes. Mid game. So, j'ai testé Mangeur d'Espoir. C'est dommage que le totem tient jamais jusqu'aux 5 jetons. Ça tient des fois, Asgard, mais c'est assez rare, effectivement. Tant mieux, Hello Vichu, si tu vas bien, parfait. Je vais le play, j'ai le force de next one. Il y avait donc Noed, coup de grâce, intervention impure, et crochet flagellateur et côte douleur. Elle avait comme accessoire chagrin d'amour. Oh! Un chagrin d'amour, nanana. Quand les corbeaux funestes ensorcellent un soulier-vent, ils lui infligent l'effet de statue épuisement. Ah ouais. Et ensuite, nid épineux. Les soulier-vents blessés par un corbeau funeste souffrent des effets de statue hémorragie et estropement. Putain, elle adore mettre des effets de statue. Salut Flash06, comment tu vas mon ami? J'espère que tu